Salut à tous, ici Shincor et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mes classes. Alors dans cette classe nous allons voir une classe optimisée pour le rush et les killstreaks. Donc en arme principale j'utiliserai le P90 M1 silencieuse qui m'apportera une cadence de tir et une mobilité accrue, donc un non-recul et une arme assez rapide malgré que sa portée soit largement diminuée à cause du silencieux. En arme secondaire j'utiliserai le P99 en cadence de tir et mobilité assez accrue. Malgré que les dégâts soient un petit peu diminués, la précision restera toujours stable ainsi que la portée. Donc dans ces deux armes, nous avons une configuration assez rapide au combat rapproché, malgré ses petites faiblesses au combat de loin. Mais avec les atouts qui vont suivre et les grenades qui vont suivre, ce petit point négatif sera largement compensé. Alors en tactique, nous utiliserons la paralysante. Ce qui va vous permettre d'occuper votre ennemi pendant que vous vous rapprochez pour venir le tuer au combat rapproché, car de loin vous ne serez pas du tout efficace. Et en mortel, nous utiliserons la grenade fragmentation. En atout 1, nous utiliserons tour de passe-passe, ce qui nous donnera un rechargement optimisé et un rechargement beaucoup plus rapide. Atout numéro 2, bonne gâchette, ce qui va nous permettre de passer du gun au PP90 M1 assez rapidement, ce qui est non négligeable au combat rapproché lorsqu'il faut recharger. Atout numéro 3, nous utiliserons soit silence de mort, soit tracker. A vous de voir ce que vous voudrez mettre. Ensuite, en killstreak, j'utiliserai mes killstreaks assaut. Alors pour ma part, j'utiliserai le missile Predator débloqué à 5 kills, le drone d'assaut débloqué à 10 kills et l'AC-130 débloqué à 12 kills. Ce qui est un peu dur pour les joueurs débutants, je vous l'accorde, mais qui fait très très mal lorsqu'on sait rusher avec des armes assez rapides. Donc dans cette classe, nous avons vu que c'est une classe optimisée pour le rush et les killstreaks. Rapide à débloquer, mais seulement pour les joueurs qui ne débutent pas, qui sont un peu expérimentés. Je vais vous faire tout de suite un récapitulatif des classes. Alors, en arme principale, nous avons le PP90 M1 silencieux. En arme secondaire, nous avons le P99 en fragmentation pour les mortels. Paralysante en tactique. En atout numéro 1, passe-passe. En atout numéro 2, bonne gâchette. En atout numéro 3, silence de mort ou tracker. Killstreak assaut, missile Predator, 5 kills. Drone d'assaut, 10 kills. Et AC-130, 12 kills. N'oublions pas votre petite série de morts qui n'est pas très importante, mais qui fera quand même des dégâts si vous prenez beaucoup de frags dans la gueule. J'utiliserai Martyr pour ma part. Voilà, c'était le deuxième épisode de mes classes. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert et un petit abonnement, ça me fera plaisir. Mettez dans les commentaires ce qui ne vous plaît pas et ce qu'il faudrait que j'améliore dans mes vidéos. Et sur ce, ciao tout le monde!